Eh bien, yop tout le monde, c'est ShineX. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne. Donc voilà, aujourd'hui VTT, aujourd'hui vidéo VTT, vous l'attendiez, bah elle est là. Donc on va tout de suite présenter, je vais tout de suite vous présenter mon VTT. Donc c'est un Nakamura Summit 27.5. Donc du coup, voilà. Alors, c'est des freins mécaniques, donc c'est des freins à disque mécaniques. Ici, des suspensions hydrauliques. Ici, des poignées de freins Shimano V-Brake, donc vous avez pu le voir qu'avec mes griffes, bah quand je suis tombé, bah ça a niqué tous mes freins, nique ta mère, fils de pute. Donc voilà, ici c'est des passages de vitesse comme ça là. J'ai 3 plateaux 8 vitesses. Alors du coup ma selle c'est une race, team exclusive, pro XL. Donc voilà, ici c'est encore des freins mécaniques. Donc mon passage de vitesse, je sais plus comment ça s'appelle. Mais bref, ça va les couilles. Alors c'est un Shimano, pareil pour le pédalier, tout un le pédalier. Pédalier c'est ça. Et ça c'est vitesse. Voilà. Donc ça c'est tous des Shimano. Donc mes trucs là, mes pédales, faut que je les change aussi qu'ils sont en plastique, c'est de la merde. Donc voilà, après j'ai acheté à part à Decathlon. Donc j'ai acheté un casque Bitwim 500. J'ai acheté un compteur Bitwim 320. J'ai acheté un porte-gourde élite, donc voilà, avec une gourde 50 litres, je sais pas pourquoi là. Et donc du coup voilà tout ce qui est bien, tout ce qui est bien. Et une béquille aussi, je l'avais oublié cette béquille là. Donc voilà, les mecs, on se retrouve pour du VTT. Donc voilà. We'd go to bed in my arms, you're safe and sound, without a threat. And I can't wait to see what happens next. How far can we get if we sail a little bit high, a little bit low? How far can we get if we sail a little bit high, a little bit low? We're still a little bit young, but I'm all in.